Salut à tous, c'est Klaars, et bienvenue au bord du bazar pour une nouvelle aventure en compagnie de nos amis les zombies, qui, comme chaque jour, sont plus nombreux. Alors aujourd'hui... Ah oui, c'est vrai, faut aller voir Sony pour lui annoncer ce qui s'est passé à propos du père Carter, et Carter, faudra lui ramener un jour son bourbon, si jamais il l'accepte, si jamais il survit, si jamais il se transforme pas en ennemi. Auquel cas, on le transformera en passoire. Pas de news ? Pourtant, en général, sur la 47, il y a toujours au moins une annonce. Bon. Ladies and gentlemen, the Bond King is dealing. I'm feeling particularly generous today, so you better swing on by. Très bien. J'ai 10 équipements. Ouais, on est bien. Et on va jouer au shérif. Maintenant, je me demande juste... Est-ce que je devrais amener le bourbon ? Non. Par contre, ce que je peux peut-être faire... Je vais amener les 5 casques et puis on l'amènera à rempart. La nuit venue. 1, 2, 3... Non. 4... 5. Mettons-nous en route. C'est à Bywater, non? C'est à Bywater. Coucou! Je vais poser ça là. Ah si. Attends. C'est lui? On va déjà voir un peu ce qu'il a dans son échoppe. Ouf, mais doc, si jamais je tombe sur un truc irradié qui me baisse ma vie. Il y a autre chose encore. Mais t'inquiète pas. Oh, tiens. On va y venir. Je joue un peu avec le couteau de cuisine après, mais sans plus. Je devrais être équipé pour la journée. Ok, dis-moi ce qui t'arrive. Ah bon, encore une mauvaise nouvelle. We do, huh? It's Garrick. Dude's been crossing names off his shit list, and we're next. Oh bah, ça c'est con, hein. Mais j'ignorais qu'il voulait ta peau. He's after you? How'd you manage to piss him off? It ain't just me. Everybody in a 5-block radius is in jeopardy. Garrick is the lunatic who cranked the bells for 3 days in Old Town. And according to my sources, he's coming for Bywater next. Sans blague, c'est lui qui fait ça. Eh ben, tu m'en apprends des bonnes. Donc la vieille ville, c'était Garrick? Oh là là! Garrick was responsible for Old Town? Old Town was just the beginning. He pulled this shit in via Corolla too. And for what? It's fucking madness. Comment tu peux être sûr que c'était Garrick? How do you know it was Garrick? I just know. Look, I'm not gonna beat around the bush. Garrick's not just coming for you tourists. The dude has snapped. He's aiming to burn this whole damn city down to the ground. We can't just circle the wagons here. We gotta strike. If we sit around waiting, this all goes down on his terms. And that ain't gonna be pretty. But I got a plan where it would go down on our terms. Save both our asses. C'est qui tes sources? Who are your sources? The trade network has given me eyes, tourist. In every corner of this city. Reliable people. People who benefit from what we created. They keep tabs on Garrick. It's survival for them. Like a herd of antelope looking out for the lion. I have no reason to believe they ain't legit. Et donc, c'est quoi ton plan? What's your plan? I know where Garrick's hiding out. You'd be surprised what intel you can get for a can of cream corn these days. Anyways, one of my contacts saw him coming and going out of the hotel and found an underground passage in the wine cellar. That should lead you to him. Je suis pas sûr que ce soit vraiment une faveur. I'll take him out. But I'm not doing it as a favor for you, Sonny. Garrick's going down because I need him off my ass. As long as you eliminate him, I don't care why you do it. You get that firepower situation worked out yet? Pas vraiment. Mais bon,
Je compte y aller au lance-grenade. Grenade launcher. Enough said. All right then, Warrior's Code. I get it. Oh shit, with all this Garrick chatter, I forgot to ask about the preacher. All this stress is killing my brain cells. Ouais, bah le prêtre. Ça va pas être de la tarte. La tour lui a botté le cul. The tower beat his ass down. Wiped out every single one of his followers. He's the only one left. I'm surprised you haven't heard. No, I haven't heard a thing. That's ruthless. God damn. Well, he's a bull-headed son of a bitch. I'm sure he'll find his way back from the brink. And the trade network? It's gonna be okay. We're gonna be okay. With or without him. Bah, va certainement falloir se passer de lui. Va peut-être même falloir compter sur lui en tant qu'adversaire. Le Bourbon s'en fout. Se rendre à l'hôtel éclair. Tendre une embuscade à Guéric dans les tunnels sous le quartier français. On fera ça demain. Gaffe à ton cul. Ah bah voilà, ça commence tout de suite avec une saloperie puante. Bonjour madame. Petite manucure. Allez, bouffe ça. Non, toi tu restes là, au loin. Attends-moi là. Je l'ai rempli d'un coup. Bon. Je pourrais peut-être retourner à la scierie. Bon, je peux peut-être faire un arrêt. Ouais. À l'intérieur du garage. Alors, commençons par lui piquer son clavier. Un autre clavier. Hein, munition. Cape 45. Ouais, c'est du 45. C'est bien ce qui me semblait. Et dans le garage, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant? Oh oui! Tournevis, non, c'est bon. J'ai ce qu'il me faut. D'ailleurs, je sais plus ce que je fais de mon couteau, alors je vais quand même récupérer le tournevis. Non, j'aimerais bien des boîtes de construction, de conneries comme ça. Bon, sinon, il y a toujours les claviers. Il y a encore un casque. Bah ouais, j'en ramasse. Parce que bon, ça rapporte quand même pas mal de matériaux. Oh, Twinkito. Fit protéines. Les épices, c'est quand même sympa. Parce que ça permet de faire la bouffe. Je crois que chaque repas, ça coûte 2 épices. Donc autant en avoir un petit peu quand même. Ok. Il y a de nouveau un Twinkito. On va récupérer ça. Récupérer le tournevis et sortir. Ouh. Voilà. Merci pour la diversion. Il devait être seul. Sinon, il y en aurait déjà plein qui seraient venus. Bon, c'est un ova usé. Je pourrais peut-être le ramener. Oh merde. Finalement, il était pas seul. Merde. Ah, j'ai oublié de me débarrasser de ça. Bon bah tant pis, je jouais un peu avec et on s'en débarrassera une fois qu'il claquera dans les doigts. Oh, reste loin toi. Oh putain. Mais
Ils ont l'air en sacrée forme par contre. Regardez-moi l'armure avec laquelle ils se baladent. Contrairement à toi. Il a quand même amené un morceau de fusil de chasse. Comment ? Presque plein. Je vais pas explorer la Syrie. Je vais me barrer et récupérer un peu de matos cette nuit et puis on sera bien. Pas intéressé. Parle à ma main. Je me demandais pas de le faire littéralement. Quel couillon. Je sais plus où je dois aller. Tu vas m'emmerder. Tu m'emmerderas plus. C'était les remparts. Mince, les remparts. Bon, j'ai un peu peur de la map que ça va être. Il est plein. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, c'est... Bon, c'est bientôt cassé, ça. C'est l'école. Ah, ça va être un foutoir sans nom pour y arriver. Qu'est-ce que t'as par terre, là ? Ah, c'est un sac à dos. Et le mec qui le portait il y a pas si longtemps. Toi, tu vas venir avec moi. Toi, tu vas te faire foutre. C'est quoi ça? Merde. Je vais aller regarder ce que j'ai un peu plus loin. Merde. Laissez-moi tranquille, nom de Zeus. Là, y'a plus rien. Ah si. Ouf. Non. Oh merde! Oh! Petite seconde. D'accord. Eh mais... Laisse-toi ouvrir, toi. Ah bah dis-moi. Commence bien notre petite excursion de nuit. Wow. Faut qu'on m'explique comment on est censé faire. Merde. Non, tu m'as pas vu. Ah, ta gueule. Sors de là et reviens me le dire. Je suis triste pour toi. Excusez-moi, je me permets d'entrer. Et de laisser ça dehors. T'as eu la face explosée ? Ouais. C'est un mec là-bas ? Ah, un de moins. J'aime pas les missions de nuit. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Je vais aller voir la gonzesse en haut. Si j'y arrive. Qu'est-ce qu'on a là ? Plein de revolvers. Ça, je prends. Qu'est-ce que c'est ?
Une ration militaire? Ouais. Ça c'est bon. Canoncier. Ça se range? Oh, ça se range. Super. Par contre, j'aurais pu avoir deux places. Une. Ça va, toi? Oh. Voilà. Dernier remplacement, c'est fait. Vite fait voir là aussi la dame est là. J'ai pas l'impression. Et on va prendre ça. Ça pourra se montrer utile. D'ailleurs non, je vais le laisser là. Si jamais je veux repartir par là-bas, ça me permettra d'attirer les rôdeurs qu'il y a dehors. Oh. Je comprends pas où est-ce qu'il est. Aïe. Comment je vais, ça va. Ah d'accord. Je me disais bien, j'entends un zombie. Le chat, par là, ok. T'inquiète. C'est le chat. C'est pas très précis. Est-ce que c'est vraiment surprenant? Non. Par contre, il a la décence de m'en lâcher un autre. C'est gentil. Encore un Nova usé. Mais ils sont tous dans un état catastrophique, les Nova qu'ils utilisent. C'est chiant. Et toi? Et toi? Coupe. Ah non, il est là. Je croyais qu'il était à l'étage, le bonhomme. Salut. Give me what you got. Drop it in there, and you'll get yours in this box over here. Alors l'échange est pas super intéressant, mais peut-être que le suivant le sera. Je crois qu'il y a quelqu'un à la porte. Tu devrais aller voir. Qu'est-ce que je disais? Appreciate the business. Here's another order. Oui. Not for me though. Bring it by tomorrow for the next person up. Non mais occupe-toi d'eux d'abord. Tu tires bien. Alors, record? Enregistrement? Quoi? Je sais pas trop ce que c'est, mais je verrai si je peux t'en trouver. Tu m'offres des grenades, c'est toujours sympa. Et on est bon. Toi dégage. Je vais repasser par en haut. Vu que je suis blessé, je vais jeter un oeil si là-bas il n'y a pas de nouveau des bandages. La dernière fois ça m'avait sauvé la vie. Eh bah oui. Voilà. Hé, va chercher. Non, je suis pas encore. Voilà. Et on rentre à la maison. C'est parti. Oh. Combien de balles? Deux. Ok, retour à la maison. Non, il ne devra pas passer grand chose aujourd'hui. Donc je vais faire une deuxième journée dans cet épisode. Et commençons par le recyclage. Ah, c'est vrai que j'avais encore ça. Bof. Je vais pas l'utiliser. Et maintenant rangeons un peu ça.
Demain, on va aller se faire Gary. Va falloir être en forme. Préparé. Oh bah oui, si, ça va, on épice. J'ai quand même ma large. Et non, ça ne coûte que un, je croyais que ça coûtait 2. Et des protéines que ça coûte 2, fibres 2, O2. Ok, tous c'était 2, sauf les épices. Donc la ration, ce sera le truc que je mangerai. Ça... Je peux pas l'accrocher quelque part. Enfin, tu me serviras à rien de toute façon. Vu ton état, allez, on va t'accrocher là, toi. Et c'est quoi? C'est un châssis de fusil, tout simplement. Allez, on va quand même tirer un coup. Oui, et puis ça, je vais le recycler. Je donne en permanence des coups sans le vouloir. Ce qui m'empêche... Oups. Oui, ce que je voulais dire, c'est que ça m'empêchait, j'ai l'impression, de donner un coup avec mon arme de poing. Et qui prend le coup de poing avant de considérer que je l'attaque avec une arme tranchante. Donc je vais l'enlever, on verra bien ce que ça donne. Mais il n'empêche que je ne sais toujours pas faire de grenade pour la lance-grenade. Donc je me demande si c'est pas un peu tôt pour aller voir Gary. Bon. Une bonne nuit de sommeil me dira si c'est la bonne réponse. La tour a renforcé sa présence. Mais les mecs, ils sont en armure lourde, c'est bon. Ouais, sans plus attendre, on y retourne. Alors, rien à la 65. Tu m'as l'air tremblant. Suspending the herd. Oh. Suspending the herd. Oui, mais où? D'accord. Non, c'est l'hôtel éclair. Il va me falloir du gros calibre quand même contre lui. Carabine à levier, je sais pas si ça suffira. Le revolver, c'est quand même ce que j'ai de plus gros, normalement. Mais je vais m'emmener une paire de grenades supplémentaires. Ouais, je sais pas ce que ça va donner. Je pense pas que ce sera le dernier affrontement contre lui. Parce que je ne sais toujours pas crafter les grenades de lance-grenades. Donc ça me surprendrait que... On puisse l'affronter avant même d'avoir la recette. Ça, ça se verra vite. Donc ces deux zones-là ont été... Ouais, Via Corolla, c'était là où il y avait la cloche qui sonnait en permanence. Donc c'était lui qui a fait ça. Bon. De toute façon, maintenant tout ce qui compte, c'est de lui péter la gueule. Ah mince, encore ce bug de lumière. Allez au bar à vin situé en dessous du hall. Ah, oui, c'était là où j'étais déjà. Ok. J'avais pas souvenir d'avoir vu ce poster. Ah, il y en a déjà un qui pue là-bas. C'est bon, il y en a un autre qui a spawn le temps que je baisse les yeux. Eh merde, ils m'ont vu. Oh mince, c'est vrai. J'ai un laser là-dessus. Oh, peut-être que je pense l'utiliser. J'espère que vous n'avez pas trop ragé durant l'infiltration de nuit. Bouge pas. C'est pas très efficace. Ça, ça se fait plus. Bouge pas. Oh, pardon. J'espère que ça n'a pas fait trop mal. C'était là que je visais. Bouge pas. Et merde, j'ai loupé mon coup. Est-ce que c'est...
c'est l'autre qui m'a encore tendu un piège. C'est toujours la grenade qui est là. Mais encore. Trouver la cave. Je pense qu'elle est là. Ok. Je crois que j'avais loupé cette porte. Ou elle était verrouillée. Attends, on va échanger. C'est très très calme. Ça pue le piège, oui. Là-dessous, on a quelque chose? Non, on peut même pas y aller. À part se faire retourner la tête par les bugs de collision. Ok, il fait super noir. Trouver l'entrée des tunnels d'assainissement. Excusez-moi, mesdemoiselles. C'est une belle cave. Vous voyez là, à l'instant, il y a le coup de poing américain qui a pris... non, pas le coup de poing américain. Mais le gant a pris le coup avant de frapper avec la lame. Bonjour monsieur le PNJ. Oh merde. Pardon, j'ai un peu ouvert le torse. D'où il m'a vu? Ah! Attendez. On va jouer à un jeu. Lui de ne pas réussir à mettre en route ça! Est-ce que je peux reculer? Merci. Aïe! Il faut les découper combien de fois? Bon alors? Oh. J'avais l'impression qu'ils étaient bien plus nombreux que ça. Ah, je crois que j'ai trouvé. Pas tout à fait confiant. Allez. Comment ça, complet? Mets-toi sur mon dos. Merci. Ok, il y a le flingue qui s'est rangé dans la mauvaise poche. On va monter. Bon, on descend. Non, moi je me le dis, j'aime pas ça. Cette zone pue l'arnaque à plein nez. Que je disais.
J'ai quand même l'impression d'être sur une zone un poil buggée. Tu veux pas avancer un petit peu plus? On va recharger avant de se retrouver à court de munitions. Hein. Et en vrai, avant de descendre, on va mettre ça en route. J'ai dit, on va mettre ça en route. Oui. On disait que ça coule le piège. Hein? Oh non! Tu pues, toi! C'est complètement bugué avec cette plateforme! Mais... Oh, tu ressembles à rien, toi! Bon, d'accord. Cette épaule ne veut décidément pas recevoir Monsieur Dent. Allez. Bon, maintenant qu'on est tombé dans son piège, on va en profiter. On va manger la ration. Ça m'a pas remonté plus que ça. Mais c'était du 50%. Alors là, on n'a rien. Sans surprise. Bon, l'autre il a disparu. Ok. Ça, on peut pas jouer avec. Qui m'a suivi, je sais pas comment. Ah non, de l'autre côté, ok. Il y a un gros exit. D'accord, je peux pas plonger. On va te faire foutre. Non. Non, je vais essayer de l'autre côté. De ce côté, ça donnera rien de mieux. Ça sera peut-être même pire. Bon, il y a une lumière verte avec Mac Exit. Ah, mais tu te fous de ma gueule. Ah, oh, mais non, là. Ça commence à être. Un peu trop visible qu'il y a du spawn de zombies qui sort de mon cul. Je peux sortir par là. Je vais fermer derrière moi. Ok. Obus pour lance-grenade. Oh! Je n'ai pas le lance-grenade, mais. Il y a du matos ici. Je vais essayer d'attraper. La force est puissante dans ma famille, mais des fois elle fait des caprices. Ouais. Merci. Je m'en sors comment avec 21 emplacements. Toc toc. Pas de zombies. Surprenant. Donc si je continue par là. Tu pues toi? Non, pas encore.
J'aurais bien aimé me balader avec le katana là en vrai. Et ici. Ah bah si, c'est ouvert. Pourquoi j'ai pas réussi à ouvrir à l'instant? Non. On va pas mettre en route le générateur, une connerie, histoire de voir un peu quelque chose. Ouais, y'a... C'est son repère, hein. Y'a pas à chier. 75 de santé, non, j'ai pas besoin. Je suis méfiant quant à la suite, donc je vais quand même amener du médoc, du bordel, et toi tu te me soignes. Oh. Termes de bouffe. Non. Voilà, toi tu fais du sucre. Non. Ouais, la protéine et encore un sucre. Si seulement il avait voulu atteindre mon sac et pas sauter par-dessus. Encore 5 emplacements. Zombie qui pue. Zombie ne pue plus. Maintenant, si on passe par là. Oui. Alors, c'est pas la question que je voulais poser. Mais je voulais demander si en passant par là, est-ce qu'on n'atteindrait pas. Ah. Oh, hé, oh. Donc. You didn't see anything. Oui, donc j'ai pas rêvé, il y a encore un truc. Right? Pas net. Donc oui, en passant par là, est-ce que j'arriverai pas derrière la grille où il y avait marqué exit? Ça veut dire qu'on va faire le plein d'essence d'abord. Et ensuite, oh, un pull. Ensuite, on va découper. Dans la joie et la bonne humeur. Allez, viens par là, quoi. Viens. Ok, une bouche d'égout probablement. Zombie qui pue m'a pas suivi. Par contre là, Ah si, on attend une sortie. Je vais refaire le plein tout de suite. Histoire que la prochaine fois que je la sorte, j'ai pas besoin. Allez, reviens. J'ai pas besoin de refaire 50 fois le plein. Allez. Ce n'est qu'un petit peu d'escalade. Juste pas que je tombe à court de souffle, c'est tout. Je suis où? Je crois que j'apparais plus sur la carte. Est-ce que cette fois je suis dans son domaine ou... je continue à enchaîner ses pièges? Comment ça se passe? Hein? Normalement, il y aura un moyen d'atteindre en haut. J'imagine que je suis pas assez costaud pour lever cette espèce d'échelle. Celle-ci non plus.
Oui. Et après ? Est-ce qu'il y a une suite à ce niveau ou comment ça se passe ? J'avais bien raté un élément. Alors là-bas, on peut encore s'accrocher. Ok. Bon. Et comment je vais là-bas ? Non. C'est bien gentil. Voilà. Bon, on va essayer. Je vais essayer en courant. Mais... Oh ! Je vais me mettre comme ça. Ouais. Maintenant... Le long du tuyau. J'aimerais bien voir ce que je fais. Malheureusement, j'ai une lampe qui n'éclaire pas au bon endroit. Je vois plus. C'est pas fini. J'espère vraiment que ce gars-là, il fait pas ce chemin à chaque fois qu'il a envie de rentrer chez lui, parce que... Ça doit pas être l'éclate. Oh putain. Gerbotron aussi à te faire pivoter la caméra comme ça sans prévenir. Ouais, Garrick, machin. Il est temps de se faire botter le cul. À moins que ce ne soit moi qui me fasse botter le mien. Bon, à part cette petite chambre là. Niveau loot, c'est. Nul. Allez, on va manger. Ouais, j'ai mangé. Les deux rations. Sans avancer de manière significative. Je crois que le fusil à pompe aurait été plus judicieux. Ah ouais. You brought these Gatless Tower goons along with you? No. An ambush of a righteous man. When I slay someone, I look them straight in the eye. But you and your tower kin, you slit throats from the shadows, suffocate honorable warriors while they sleep. The depth of your cowardice is astonishing. You can no longer hide the truth, tourist. Mama is clearly your master. The tower is your altar. This hole in the ground will be your grave. Non, les enfants. You made a huge mistake. Survivre à l'embuscade de la tour. Oh yeah,
va falloir faire autre chose que de courir, les gars, si vous voulez m'arrêter. Bon, va peut-être falloir que je fasse autre chose que de descendre un par un. Toi, t'as pas compris d'où je venais. Hop! Remets mon bras à sa place. Merde. Son état va pas... pas encore m'aider longtemps. Bon, je vais essayer de me casser. Ouf. Comment je fais pour choper une balle? Moi je voulais ça. Histoire de voir ce qu'il y avait au fond de ce trou, c'est-à-dire rien. Hate's not a strong enough word for you, alors vous êtes peut-être plus nombreux, mais vous êtes tellement cons. Ça, c'est super débile. Bon, quand j'aurai appris à viser... Et quand vous aurez appris à viser... Qui est là? J'ai ma Vimax qui a baissé. Ah oui, c'est vrai que j'ai chopé un rôdeur infecté tout à l'heure. Ça redonne de la vie, ça. Pas qu'un peu. Merde, j'espère que j'ai lancé assez loin. Ah putain, ils sont nombreux. Eh, mais tire. Alors j'aimerais bien avancer aussi à un moment. Je peux passer par là? Non. Faut me casser la gueule. Heureusement que vous êtes des débiles. Et le temps que je recharge, vous avez le temps de remplir la zone.
Et ils ne laissent pas leurs armes. Pas de munitions. Oh putain. Ok. Par où je dois aller ? C'est pas vrai. Oh. On part vraiment pas loin. Non, ça part vraiment pas loin. Comment je suis censé faire pour avancer ? Juste leur avancer dessus, bêtement. Oh purée. Cours. Il va me falloir des munitions. Allez. Ah, j'ai mal. J'ai utilisé un super bandage tout à l'heure. Bandage terrible, non. Quoi qu'il en soit, j'en ai besoin. Ah, putain. Eh mais, passer au travers des murs, je ne dirais rien. Bon bah voilà, ça c'est fait. Recommencer le niveau. Non. Charger. La télé éclaire. Continuez. Après votre mort, vous pourrez toujours retrouver votre sac à dos perdu. Il sera situé à l'endroit où vous êtes mort. Oui, bien sûr. Bah écoutez, malheureusement, je pense que ça va mettre fin à l'épisode. N'étant encore jamais mort. Donc là, l'option que j'ai en faisant continuer, ça me fait réapparaître au début du niveau. Sans aucun équipement, ou peut-être juste ce que j'avais en poche, mais mon sac à dos est vide. Le loot que je portais sur moi m'attend à l'endroit de ma mort, c'est-à-dire ici, entouré de toutes ces personnes de la tour. Et donc, je me retrouverai avec juste ma bite et mon couteau pour...
pour revenir jusqu'ici entouré de tous les zombies, de tous les gens de la tour, pour enfin avoir mon loot. Enfin, mon équipement. Ce qui me paraît juste impossible. Donc malheureusement, cet épisode se terminera ici. Mais le prochain, on reviendra faire cette mission, mais en étant équipé. Alors, en attendant la revanche, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Ciao!